Ici, nous sommes au quartier Nancy, à Melun, dans le département du Mungo, où les pleurs traduisent à suffisance la grande consternation dans laquelle restent plongés les membres de cette famille inconsolable. Le corps sans vie d'un des leurs a été retrouvé dans une plantation. Pour les riverains, Jean Lambeau, porté disparu depuis 4 mois déjà, avait quelques soucis de santé. Il était malade, il avait un peu de crise. Il a fait presque deux mois. Il continue. Le voisin l'a vu et il a crié. Que voici le corps que le dépouilleur, dans du champ. Que voici ça. Dès que nous venons sur le lieu, on constate vraiment que le chapeau, c'est vraiment le chapeau qu'il avait. Une maman avait chez moi à la chefferie avec un monsieur. J'étais à la réunion à la chefferie Sinkam. On nous a informé qu'il y a un corps qui est dans le champ de Madame Rebecca. Et c'est un Bamenda qu'on a mis pour qu'il défie le champ qui a trouvé ce corps. Nous sommes tous dépassés et nous attendons le fort de l'ordre pour les enquêtes. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Melun sont descendus sur les lieux. Après le constat fait, une enquête a été ouverte dans l'optique de déterminer les mobiles de cette mort suspecte qui défraie déjà la chronique dans la ville de Melun, dans le département du Mungo.